Oh bon sang! Mais c'est le fameux Trigger Happy, un de mes Skylanders préférés, très énervé, avec ses deux flingues dorées qui tirent dans tous les sens. Vous connaissez pas Skylanders? Les enfants. Enfin, les enfants, vous connaissez, je m'adresse aux adultes qui ne connaîtraient pas Skylanders. C'est juste un jeu fabuleux, un truc merveilleux pour acheter des jouets aux enfants. Les enfants, pour vous faire offrir des jouets. Des petites figurines comme celle-là, absolument magnifiques, en plastoc, mais avec dedans une petite base électronique, puisque quand on les met sur le portail, eh ben, les bestioles apparaissent dans le jeu. Je crois qu'il y a un intrus dans cette scène. Dégage, Jar Jar, enfin! C'est pas possible, celui-là est toujours là où on l'attend pas. Donc on avait joué à Skylanders, souvenez-vous, même Mathias était revenu de l'école avec ses Skylanders pour jouer avec moi. Et là, on va jouer à Skylanders Giant! Regardez, des nouvelles figurines énormes comme cet arbre qui s'appelle T-Rex, j'adore les noms qu'ils ont trouvés. Et puis des nouvelles figurines, avec à chaque fois, on va en parler, des styles différents, l'air, le feu, enfin voilà, chaque figurine a un peu son style. Bon, j'embarque ceux-là, qui sont les trois nouveaux surtout, qui était dans le starter pack que j'ai reçu moi. Donc la boîte que vous voyez là contient un portail et trois figurines de différents éléments. Ça c'est la terre, ça se voit, hein, c'est la terre, c'est un arbre, voilà, il est, comment dire, c'est un végétal, c'est la nature, voilà. Celui-là c'est plutôt l'air, c'est-à-dire, bah voilà, c'est un oiseau, donc il peut voler, ce genre de choses. Et lui c'est un mort-vivant, undead, voilà. On va commencer avec, alors lui je l'adore, regardez bien, donc je suis dans le jeu, vous voyez, j'ai déjà une figurine qui est sur mon portail, un petit requin que j'avais avant, Terrafin, que j'aimais bien, qui était un requin qui était dans le premier épisode, et ben je vais l'enlever, regardez bien, hop, et magie de la possible, je prends ce personnage, et il apparaît à l'écran, le voici, le voilà. Il s'appelle Faucon Milnum, c'est moi qui l'ai appelé comme ça parce qu'évidemment on peut changer les noms parce qu'on s'y attache à ces petites bestioles. Et je lui ai mis un petit chapeau melon pour qu'il ait la classe, comme il dit lui-même, choc et chic. Donc je suis à bord d'un bateau qui me permet évidemment de me déplacer. À bord de ce bateau, il y a des personnages qui vont me donner des petites quêtes, il y a des petits jeux, par exemple lui c'est un gros costaud, il propose des combats dans des arènes pour me perfectionner, gagner des points d'expérience. Ici, on a une tour avec tout en haut le poste de vigie. Il y a aussi des canons de l'autre côté. Là, regardez, il y a une salle de jeu, une espèce de jeu de cartes intégré au truc. Je peux jouer contre lui. Ici, c'est une boutique. Je peux acheter des choses. Éventuellement, on va voir ce qu'il nous propose. On fait quelques courses. Donc, vous voyez, il se passe des choses déjà rien qu'à bord du bateau, sans aller faire les aventures, tout simplement. Je peux te proposer aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tu vends, mon petit bonhomme? Alors les fameuses cartes, brise-mâchoire, ça c'est une carte pour jouer au truc. Ah ça c'est pas mal, orbe d'amélioration, c'est pas cher, je vais m'en acheter une, tiens. Voilà, je vous expliquerai tout de suite après à quoi ça sert. Voilà, des amulettes pour rendre mes personnages un petit peu plus costauds, des chapeaux bizarres. Regardez un chapeau baudruche, si c'est pas mignon, un chapeau d'anniversaire, des trucs comme ça. Voilà, donc tout un tas de petits objets qui vont vous permettre de customiser vos personnages, évidemment, parce que franchement, on s'y attache. Donc j'ai changé le nom d'à peu près tous les personnages, sauf quand ils étaient très drôles à la base, sauf que T-Rex pour un arbre gigantesque, c'est assez rigolo. Tout de suite, allez utiliser mon orbe. Vous allez voir comme ça à quoi ça sert. Je rentre dans cette cabine-là. Regardez cette drôle de machine. Voilà, on peut y placer les orbes qu'on a achetées. Donc vous avez vu, ça m'a coûté un peu de sous. Voilà, elle se met en haut. Et je peux améliorer des choses. Donc je peux améliorer soit mon expérience, soit ma richesse. Donc par exemple, je vais améliorer l'expérience, voilà, sur ce bulbe-là. Et sur l'autre, je vais améliorer la richesse. La santé, c'est pas mal aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis mal. Voilà, celle-là est vide pour le moment, donc celle-là, je vais améliorer... Non, expérience. Voilà, des points d'expérience, c'est pas mal. Comme ça, je m'entraîne au niveau plus facilement. Voilà. Donc tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va me booster un petit peu. Chaque fois que je vais récupérer, par exemple, j'ai mis richesse, chaque fois que je vais récupérer un trésor, j'aurai plus d'argent que ce que j'aurais dû avoir. On va dire le tirage au sort, mais plus favorable. Ici, justement, c'est les améliorations pour mes personnages, avec une sorte de petite fée clochette qui vous propose des améliorations. Donc, bah, mon faucon Milnum, il commence à être pas mal. Je sais plus à quel niveau il est, mais je lui ai acheté beaucoup de choses, que je vous ferai voir tout à l'heure, parce qu'on commence avec juste deux attaques, et au fur et à mesure, vous ajoutez d'autres attaques de plus en plus puissantes. Voilà, balle de turbine, les attaques de lance-pistolet font plus de dégâts. Ça coûte 1056, j'ai récolté 1653 pièces d'or, je vais me l'offrir. On est des dingues, on est des fous, et ça c'est un truc qu'on peut récupérer uniquement en faisant des quêtes annexes. Voilà, allez, je me l'offre,
Voilà, et maintenant je peux choisir différents trucs, des plumeurs, ça développe les attaques de l'aspirateur, ou alors, je fais plutôt ce côté-là. Voilà, donc il y a un petit côté RPG où on améliore ses personnages en choisissant différentes options. Voilà, je vous ferai voir tout ça en action, mais regardez comme c'est redoutable ce petit aspirateur. Ça fonctionne super bien. Voilà, je peux aller aussi au sous-sol où il y a une sorte de canon. Où là je peux m'entraîner au tir au canon parce que certains... la manette vibre tellement c'est costaud. Certains épisodes nécessitent de faire un peu du tir au canon. Donc là je vais peut-être pas le faire en entier, mais faut que je bloque des tirs d'artillerie. Voyez, on me tire dessus, donc je vise. Et j'essaye de dégommer ces bombes avant qu'elles ne m'atteignent. Et je pense que si j'y arrive, je vais gagner quelques points. Voilà, donc c'est une sorte de mini-jeu, mais qui vous apprend à vous servir du canon dont vous aurez besoin dans certaines aventures. Allez, 12 sur 15, 15 sur 15, ça y est, j'ai réussi. Ouf. Un bon défi. Oh, les belles couronnes. Super, je récupère. J'adore les trésors chez eux, c'est toujours des trucs assez rigolos. Vous avez obtenu un trophée, pas une tâche. Oui, en plus, il y a plein de trophées à récupérer, enfin vraiment plein de trucs. Regardez, mon petit aspirateur me permet de récupérer des bonus. Bah voilà, je crois qu'on a fait le tour du bateau. Tout en haut, il y a le capitaine qui peut m'emmener à une destination. Mais on peut aussi choisir de refaire les chapitres qu'on a déjà fait. Donc je vais plutôt faire ça. Il y a plein de trucs, c'est assez rigolo, des endroits un peu un peu gelés, des trucs un peu dans le désert. Chaque niveau est assez original. Moi j'aime bien, on va aller friter du troll en haut d'une tour. Un petit côté RPG un peu sympa, le côté médiéval fantastique, j'aime bien. Donc voilà, j'adore les personnages, je les trouve fabuleux. Donc évidemment, si vous aviez déjà Skylanders, vous pouvez ressortir vos vieux Skylanders. Moi, j'ai retrouvé mon vieux Gilles Grunt. De temps en temps, je le ressors quand c'est utile. Alors lui, j'adore aussi. En fait, c'est le problème de ces figurines. On les voit, ça coûte une dizaine d'euros à peu près. On a envie de se les acheter parce qu'ils ont une pure tête. Après, on les prend, on les fait monter de niveau, on leur achète des petits chapeaux pour que ce soit plus joli. On peut vite se faire prendre au piège, mais il faut savoir aussi qu'on peut jouer avec juste 2-3 figurines, par exemple les figurines du pack de départ que j'ai là, donc celle-ci avec le portal et celle-ci, c'est suffisant pour pouvoir jouer, il n'y a pas de problème. Après, il y a certains niveaux qui sont accessibles qu'à des créatures de l'air ou des créatures de l'eau, donc il faut absolument, on n'est pas obligé, mais on a vite envie d'acheter au moins un Skylander de chaque type pour pouvoir accéder à toutes les cartes. Puis ils sont un peu salauds de temps en temps et ils vous montrent un aperçu d'un autre Skylander que vous n'avez pas encore acheté. Et ça donne très envie. Ils ont tous des attaques un peu particulières. Donc voilà, il va falloir qu'on monte en haut de la tour. Pour le moment, vous voyez que c'est un peu fermé, donc je ne peux pas y aller. Je vais rentrer dans cette petite baraque. Et regardez, avec mon aspirateur, je peux choper des mobs qui parfois recèlent des trésors. Ça, c'est une statue du méchant sorcier que je combats. Ne t'arrête pas. C'est vraiment un scénario très très basique avec un vilain sorcier qui veut dominer le monde, bien sûr. Et voilà, d'affreux gobelins qui me sautent dessus, donc on va déjà les massacrer, voire les aspirer. Hop là, voilà. Objectif terminé. Ben, ça me fait du bonus, un peu d'expérience peut-être. Voilà, vous voyez en bas mon niveau qui monte, je suis au niveau 6, j'ai pas mal joué avec celui-là. Et il commence à avoir des attaques un peu sympas, et notamment la possibilité de voler un petit peu, comme vous pouvez le voir. Voilà, là j'ai raflé au passage une bombinette. Je vais aller balancer un petit peu plus bas pour ouvrir le passage. Voilà. Ça y est, tout pété. Toujours droit devant. Et il y avait un petit passage secret, donc, avec un cadeau qui m'attend derrière. Donc, je vais aller l'ouvrir. Alors, les cadeaux, il faut tapoter pour les ouvrir. C'est drôle de façon d'ouvrir les cadeaux, de taper dessus, mais c'est comme ça. Oh, un sombrero! Il est superbe. Je vais peut-être l'échanger contre mon chapeau melon qui était très élégant, mais je reconnais qu'un sombrero, ça va le faire. Oui, je vais le mettre tout de suite. Allez, on est des dingues. Il est tout neuf, j'ai envie de le porter. C'est horrible, je suis comme un gamin. Je suis content d'avoir trouvé un sombrero pour mon personnage. Non mais vraiment, je comprends les enfants qui vont adorer ce jeu, parce que moi-même, franchement, je prends. Voilà. Et bien sûr, ça peut jouer à deux. Souvenez-vous, la dernière fois, mon ami Mathias, en rentrant de l'école avec son petit cartable, était venu avec son Skylander à lui. C'est-à-dire que lui, il a joué chez lui. Son Skylander a de l'expérience, de l'argent, peut-être un petit chapeau rigolo. Et il peut l'amener à tout moment. On le met sur le portail ici, allez, et il apparaît dans le jeu, on peut jouer on à deux. Donc ça, c'est super. Ah, il est classe avec le sombrero. Bon, il est classe, mais n'empêche qu'il sait pas ouvrir une grosse porte comme ça. Pour ouvrir une grosse porte, il faut un gros costaud. Donc je prends mon Skylander Giant. Alors ça, c'est un des premiers. Il y en a un autre qui a une tête de baleine. Ils ont tous des têtes formidables. Et le voilà, regardez. Méfiez-vous de l'écorce. Non, pas méfiez-vous d'écorce. Petit clin d'œil à nos amis corses au passage. J'ai mis un petit chapeau, un petit fez en hommage au jeu Fez qui est excellent. Je vous ai fait voir dans chez Marcus.
Et voilà, vous voyez que lui, il peut défoncer un portail, et pas que un portail, évidemment. Vous voyez que chacun de ses coups de poing fait 28 points de dégâts. C'est quand même pas rien. C'est assez efficace, alors par contre, faut être plutôt au corps à corps avec lui. Même si au bout d'un moment, on débloque plusieurs trucs. Donc il y a la charge, vous voyez, je vais droit sur le mec. Il y a le coup de poing ravageur. Et puis j'ai quand même aussi, voilà, des petites sortes de boules de feu que je peux balancer sur l'adversaire. Histoire de varier un peu. Ça, c'est des choses qu'on achète au fur et à mesure. C'est vraiment un jeu où il faut fouiner dans les décors partout. On peut vraiment bien regarder. On ne dirige pas la caméra soi-même. Ça se fait automatiquement, mais c'est vraiment bien fait parce qu'on voit toujours où on en est. Il n'y a aucun moment où la caméra est mal placée. Donc ça, pour les enfants, c'est super. De ne pas avoir à gérer la caméra, c'est pas un souci. Tout se fait tout seul et c'est vraiment très très bien fait. Me voilà devant un autre portail. Là, je vais faire sauter la dynamite. Ne t'en fais pas, Kali, on est là, tu es sauvé. Lui, c'est l'espèce de héros un peu un crevard quand même. Ça me fait rire, c'est vraiment un truc de gamin, mais c'est le mec un peu prétentieux et tout, alors on aime bien se moquer de lui. Voilà. C'est vraiment fait pour les enfants, hein. Y a pas de doute, mais c'est très efficace. Voilà, je fais sauter la porte. Reste avec moi, Kali. Je vais un peu rafler des bonus parce qu'il faut toujours essayer de récupérer un maximum de choses partout où vous pouvez. Et puis je vais changer de personnage, je vais prendre, par exemple j'adore celui-là, le prisme, regardez bien. Ça c'est l'ancien prisme, d'accord, premier modèle, qui ne s'allumait pas, et ça c'est le nouveau prisme, nouveau modèle. Regardez, quand je l'approche, vous voyez que ça luit là, vous voyez que ça s'allume. Ça ne faisait pas avant avec celui-là, je vais mettre celui-là. C'est le même personnage, hein, simplement les nouvelles versions maintenant s'allument. Même chose pour Eruptor que vous verrez tout à l'heure, on a l'impression qu'il a de la lave qui lui sort des yeux. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde me tire dessus. Donc j'ai choisi Prisme, lui il a regardé une sorte de rayon laser assez efficace. Et l'autre truc sympa c'est qu'il peut faire tomber un prisme sur ses adversaires. Bon par contre il faudrait pas que je me fasse trop bousiller. Regardez, bêtement ils sont allés se mettre. Ouh là là, vite, moi, faut que j'esquive. Donc lui il peut faire tomber un prisme devant lui, voilà. Ça peut servir de bouclier. Et ça peut aussi servir, comment dire, une sorte de miroir. Regardez, je balance un prisme. Voilà, et regardez, si je tire sur le prisme, vous avez vu ce que ça fait? Ça balançait deux rayons laser. Là, c'est bloqué par mes petits camarades, mais on va le refaire. Voyez, regardez, je tire à deux endroits à la fois parce que je tire sur le prisme. C'est astucieux, quoi. Mais tout ça pour dire que les personnages, c'est pas juste je bâche, voilà, ils ont chacun des attaques et des styles très différents. Oh, j'ai grimpé de niveau, regardez. Il a grossi, du coup, le petit bonhomme. Voilà, ils ont tous des styles très différents. Du coup, c'est pour ça qu'on s'y attache, qu'on aime bien en avoir plein de différents. Parce qu'ils ont vraiment chacun leur style. Oh là là, voilà, une espèce de sale bestiole. Je balance un prisme devant. Vous avez vu que ça m'a servi de bouclier. Hop. Et regardez, hop. Il est dégommé. Il est dégommé comme ça. Ah oui, je lui enlève 13 points de vie. C'est pas grand-chose par rapport à tout à l'heure... que je faisais avec mon géant qui faisait 28 points de vie à chaque truc. Par contre, un truc pas mal, ce serait d'arriver à l'attirer vers un piège. Vous voyez qu'il y a des sortes de bombinettes là, sur les côtés. J'essaie de me mettre par là. Et de lui faire péter ça à la tronche, ce serait pas mal. Voilà, ça fait pas mal de dégâts, je pense. Ah, il a souffert. Il balance des petits machins qui me pourrissent la vie. Moi, je vais balancer un prisme, voilà. Aussi, lui balancer le prisme directement sur la tronche, vous voyez, ça fait 20 points de dégâts d'un coup quand ça arrive. En plus, il est assez lent, donc. Voilà. Ça ne protège pas complètement, hein, mon prisme à chaque fois, mais c'est efficace. Oh là, je crois qu'il est mal, il va exploser. Ouais, voilà, je suis venu à bout de ce truc. Alors, ce que j'aurais pu faire aussi, on verra. J'ai tellement de choses à vous raconter avec Skylanders que ça prend du temps. Regardez, là, il faut que j'ouvre une porte pour aller récupérer quelques petits bonus. Et donc, vous allez voir qu'il y a des énigmes aussi. C'est pas que de la baston, il y a des petits trucs. Je vous parlais du jeu de cartes tout à l'heure. Il y a cette énigme où il faut que je touche avec cette bestiole tous les petits ronds rouges pour désactiver la serrure. Donc, je tourne soit à droite, soit à gauche pour faire basculer la serrure. Et vous voyez qu'il passe dans ces espèces de téléporteurs. Hop. Donc faut que j'arrive à le faire atteindre les bons trucs, ce qui n'est pas toujours évident. Hop. Parce que vous ne tombez pas forcément à l'endroit qui vous arrange. Là je vais passer dans le truc violet, regardez bien, je vais ressortir
de l'autre côté. Et là, je vais basculer de ce côté-là. Et voilà, pas trop mal. Score parfait. Parce qu'on peut faire ça en un nombre de coups plus ou moins grand, quoi. Donc il faut essayer de faire ça en moins de coups possible. Ouh là là, je suis poursuivi par des bestioles. Un peu gloutonne. Voilà. Bon, ça, j'ai pas besoin de le faire péter. Il va me péter la figure, je vois le coup venir. Donc pas la peine de faire le malin. Je perds quand même des sous. Et là, un petit interrupteur qui ouvre la porte à côté. Très bien. Allons-y. Vous avez vu, sympa Prisma. Personnellement, j'aime beaucoup. C'est très efficace, sa façon de se battre. Il faut faire des petits rayons ou concentrer. Oula, ou concentrer mon tir un peu plus. Voilà, pour faire une sorte de barrière qui va les empêcher de passer. Je vais changer de perso, parce que j'aime bien. On va récupérer mon petit faucon Millennium. Millennium, parce qu'on ne peut pas rentrer non plus des noms trop longs, donc on pourra sortir. Choc et chic. En plus, avec le sombrero, c'est quand même un peu la classe. Voilà. Ensuite, eux, ils sont tout petits, donc tu peux les aspirer, regardez. Voilà. Pas de mal. Et eux, ils sont de l'autre côté. Pas très sympa de leur part de faire ça. Voilà. Alors là, regardez, je suis obligé de pousser des blocs pour arriver à avancer, et souvent, il y a un seul sens dans lequel on peut les pousser, donc c'est là aussi une sorte de petite énigme, il faut pousser les trucs dans le bon sens pour arriver à quelque chose. Allez, venez vous battre, j'ai pas peur de vous les gars. Surtout des petits trolls ou des petits gobelins comme ça, c'est pas bien méchant. Donc, qu'est-ce que j'ai comme autre truc? Donc oui, je vole un petit peu, ça c'est assez pratique. Voilà, j'ai cette espèce d'attaque un peu lointaine. Certains personnages ont plutôt des attaques au corps à corps. Moi, je peux aspirer un gars jusqu'à moi pour lui faire du mal. Voilà, finalement dans le vide. Et puis, quand je vous disais qu'il faut bien regarder partout, regardez sur le côté, je sais pas si vous avez repéré, mais quand je suis passé tout à l'heure, il y avait un truc chelou. Donc, je vais aller voir. Où est-ce que c'était? C'était par là. Vous voyez, on sent bien qu'il y a un truc à faire là. Donc, je vais repousser ce bloc ici. Et aller remettre, y aller plus vite, voilà, je vais voler, ça va aller un peu plus vite. Repousser ce bloc-là, comme ça. Redescend, voilà. Et maintenant, je peux passer ici. Superbe. J'arrive dans un coin un peu secret. Alors là, il faut tirer des grosses chaînes, j'ai besoin d'un gros costaud. Je vais reprendre Trirex. Regardez, lui aussi s'allume, hein. Le bras s'allume et il a les yeux qui luisent, il a des beaux yeux bleus. Et voilà. Je trouve qu'il a vraiment la classe. Regardez cette figurine. Juste magnifique, et surtout bah, c'est exactement la figurine qu'on retrouve dans le jeu. Il n'y a pas photo, c'est vraiment les mêmes, donc c'est super. Alors, je me mets là-dessus et je vais tapoter pour tirer sur cette chaîne. Comme ça, une épreuve de force. Pas très très fort, mais bon, voilà. Ça va attirer à moi tout un bloc flottant. Ça me fait penser à futur Bioshock Infinite, avec des trucs qui flottent en l'air comme ça. Voilà. Très bien, bien joué mon bonhomme. Et donc, un petit trésor, il est pour qui le petit trésor? Il est pour moi. Regardez ça, je vais être riche. Il y a des graals, des coupes en fer, de l'expérience, un peu de tout, des diamants, des rubis, et un œil un peu bizarre. Voilà. Très bien. Alors évidemment, il bouge pas très vite. Mais par contre, il est super costaud. Donc voilà, faut arriver à prendre le bon personnage au bon moment pour avancer dans le jeu. Le truc que je vous ai pas fait voir tout à l'heure, c'est que lui, il peut aussi soulever ce genre de truc pour le balancer sur l'adversaire. Sauf que c'est mes potes là-bas, donc ça servira à rien. Je vais juste faire le tour tranquillement. Enfin, il va vraiment pas vite. Hein. Je vais mettre un autre personnage un peu plus rapide. Par exemple, ce petit dragon qui était dans le starter pack, qui est un dragon électrique, donc, mais qui est mort. Donc je l'ai appelé ACDCD, puisqu'il a du courant alternatif et qu'il est mort. Et je lui ai mis un petit chapeau espagnol, je trouvais ça très classe. Il l'a pas à la base, hein. Vous pouvez voir sur la figurine, vous pouvez vérifier. Pas de chapeau sur les figurines. Le truc qu'on rajoute. Donc là, il va falloir que je me débarrasse de l'artillerie. Là derrière, regardez, encore un petit trésor. Donc je vais ouvrir cette grille. Donc tout à l'heure, je l'ai fait du premier coup, mais parfois, on n'arrive pas du premier coup à faire ce qu'on veut. Là, je vais tourner, rentrer dans le trou marron, qui va me ressortir de l'autre côté. En voilà, très bien. Là, je vais aller dans le trou violet. Maintenant, je fais mon petit demi-tour. Me revoilà dans le trou violet, mais vous avez vu que j'ai raté la petite perle sur le dessus. Plutôt elle est par là. Voilà.
vrai que pour l'atteindre, finalement, c'est pas si facile que ça, là, ce coup-ci. Je vais peut-être me tourner comme ça. Voilà, et maintenant... Et maintenant, non, je tombe sur le truc. Il faut que je retombe sur le violet, qui est une sorte de téléporteur. Ah non, non. Comment je fais? Quand je vous disais que c'était pas facile. Bon, je vais bien finir par y arriver. Ça peut prendre des heures, hein, aussi. Alors, je crois que j'ai droit à utiliser une clé. J'ai acheté une clé pour résoudre l'énigme. Quand on est une grosse feignasse comme moi, on trouve que c'est un peu trop compliqué. J'aurais pu, hein, évidemment, le faire moi-même. J'ai le cerveau pour. C'était pour vous montrer, bien sûr. Non, je veux dire, en fouillant un peu, on finit par trouver. Mais c'est juste que ça prenait juste peut-être un petit peu de temps. Voilà, donc j'ai récupéré une bombe que je vais vite lancer. Il ne me reste pas beaucoup de temps sur ce canon pour essayer de m'en débarrasser. Ça n'a pas marché. Donc, je vais plutôt prendre un gros costaud qui, lui, va pouvoir attraper une bombe. Vous voyez, on alterne comme ça. Quand on a deux joueurs, eh ben, on peut aussi prendre un petit et un gros pour faire un chouette duo. Pas avoir besoin de changer de Skylander à chaque fois. Mais je trouve le principe vraiment bien foutu. Et encore une fois, le fait qu'ils aient tous des caractéristiques vraiment différentes, ça fait vraiment le plaisir du jeu. Allons-y. Oh, alors ça, c'est des vraies saletés parce qu'ils ont des boucliers et on peut pas leur faire grand mal de face. En tout cas, faut attendre qu'ils soient de dos. Vous voyez, ils s'en foutent un peu de ce que je leur fais. Voilà, allez. À moins peut-être du nombre de chocs. Peut-être du nombre de chocs, comme ça, ça pourrait. Non, ça n'a pas l'air de. Ça n'a pas l'air très efficace. Donc je vais prendre un autre personnage. Qui je vais prendre? Oh, mon bon vieux Gilles Grunt! Il m'a manqué. Donc souvenez-vous, j'avais Gilles Grunt dans le premier épisode de Skylander. Respecte les poissons! Respecte les poissons! Et je l'ai appelé Akbar Junior, évidemment, sinon c'était pas drôle. Lui, il a un harpon et il peut un petit peu. Comment dire? Il peut un petit peu voler. Donc ça va me permettre de faire le tour des adversaires assez rapidement pour les avoir de dos si tout va bien. Me débarrasser d'eux d'abord. Allez, Gilles Grunt! Et Gilles Grunt est un personnage aquatique, donc lui, il peut arroser l'adversaire, vous voyez. Il a un petit peu ce pistolet à eau qui est assez efficace. Alors, eux, je vais les laisser voilà, planter leur bouclier, puis je vais faire le tour. Hop! Le tour, et j'attaque par derrière. Voilà! Oh, c'est Gilles Grunt, mais c'est mon idole. Ah, j'adore la tête. Donc, Gilles Grunt, c'est son nom d'origine. Hein. Mais je l'ai rebaptisé, donc Akbar Junior. C'est mon idole, l'amiral Akbar, vous le savez, dans Star Wars. Donc, j'ai trouvé qu'il ressemblait. Il parle comme lui. Hein. Si vous écoutez, de temps en temps, il balance des petites phrases un petit peu rigolotes. Et voilà, grâce à son propulseur, il peut aussi aller un petit peu plus vite. Ce qui n'était pas le cas au début, encore une fois, il a gagné quelques points d'expérience qui lui ont permis de s'offrir ce magnifique jetpack qu'il n'avait pas au début. Donc entre l'argent qui permet d'acheter des objets, des petits points d'expérience, de modifier son personnage, les points d'expérience que vous gagnez eux-mêmes et tout, il y a vraiment, vraiment de quoi faire. Et puis il y a le plaisir de découvrir des nouveaux Skylanders. Et ça, je pense, quand on est parent, ça doit être terrible. Vos enfants vont vous demander sans arrêt d'acheter des Skylanders. Moi-même, ça m'arrive. Parfois, je vais dans une boutique de jeux vidéo et je vois une figurine que j'adore. Genre, Eruptor. J'ai craqué pour Eruptor. Je le trouvais trop magnifique. Je vais vous faire voir tout de suite, tiens, d'ailleurs. Eruptor, viens là, regardez, c'est lui. Et ça, c'est les nouvelles figurines, en plus. Regardez, la bouche s'allume quand on le met dans le téléporteur. Né pour brûler. Né pour brûler. Et je l'ai appelé La Chose parce qu'il me rappelle La Chose des 4 Fantastiques. Hey. Et je lui ai rajouté un petit casque de viking pour faire chouette. Trouver les canons. Allez bien, donc il va falloir que j'esquive un petit peu. J'ai activé le distributeur de bidule pour obtenir ces machins d'artillerie. Voilà, au moins ça c'est des explications claires. Merci Captain Obvious. C'est pas son nom, mais c'est comme ça que je l'appelle moi. Allez, on y va. Alors lui, il a des pouvoirs différents, comme le fait de se liquéfier, cracher des boules de feu, bien sûr, mais aussi des boules de bowling de feu. En plus, on dirait qu'il rote. Voilà, fait un petit bruit un peu bizarre. Allez, on va ouvrir cette porte. Vous allez plus vite que tout à l'heure. Au début, ça commence assez simple. Voilà la deuxième. Alors là, il faudrait que j'aille par ici pour pouvoir la choper. Vous voyez, faut s'appuyer en fait sur un rebord pour arriver.
faire quelque chose. Voilà. Et là, normalement, si je tombe dans le truc vert, voilà. Jouer avec la gravité, en fait. Ça y est, j'ai tout, là. Voilà, j'étais déconcentré tout à l'heure, en fait. Mais voilà, c'était pour vous faire voir aussi que même si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec une énigme comme ça, il y a moyen de la contourner en achetant une petite clé, finalement. Okay, voilà. C'est parti. Je suis super motivé. Ah, il est super motivé. Oh là 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 là, je me suis pris un gros truc dans le dos. Ça, c'est rude. Oh là là, là, j'ai besoin d'un gros costaud. On rappelle tri de minutes. Le temps de faire le tri. J'avais pas trouvé de nom d'arbre rigolo, donc je l'ai laissé son nom normal, Trirex. Voilà. Allez, j'attrape ça. Voilà, les amis, je crois qu'il est déjà temps de se dire au revoir. C'est dommage quand même. Enfin, donc voilà. J'aime bien. Je trouve ça rigolo comme tout. Skylander, c'est pas le jeu du siècle. Hein. C'est vrai que c'est pas super top à plein de niveaux. Il a plein de défauts. C'est très simple et tout. Mais n'empêche que ça fonctionne. La variété des personnages fait qu'on s'y attache. Les attaques sont différentes et tout. C'est très linéaire. Hein. C'est rare qu'on ait besoin de faire des gros efforts de concentration pour avancer. Mais n'empêche que ça fonctionne. Et je trouve ça vraiment très très efficace et très très drôle. Je vais faire péter ce truc avant qu'il me pète à la figure. Voilà. Et je vais surtout. Oh là là. Surtout essayer de ne pas me faire tuer. On s'en encore un tout petit peu. Alex, j'ai le droit de gagner quelques minutes. Pour faire voir. Ouais, une minute. Allez, une minute pour vous faire voir encore un petit truc rigolo. Wow. C'était tout juste. Eh oui, je sais bien. C'était un peu limite. On peut passer les dialogues aussi un peu, quand c'est un peu saoulant. Vous voyez que j'ai plus beaucoup de points de vie, donc je vais manger un cornet de frites. Voilà, et tout de suite, ça va aller mieux. Là, je vais me liquéfier face à mes adversaires. Ah, même sur eux. Alors, les boules de feu, ça marche pas. Pas discuter. Pas non plus obligé tout le temps de se battre. Hein. On peut fuir comme un gros lâche quand on n'a pas le temps, comme c'est mon cas. Je vais faire voir un petit passage, où est-ce qu'il est ? Je crois que c'est par là, mais il faudra que je revienne tout à l'heure. Il y a un passage pour mon Gilles Grunt, en fait. Je vais récupérer des bonus juste pour Gilles Grunt, alors ça me faisait plaisir. Voilà, j'ai cramé tout. Ça me ferait plaisir de vous faire voir ça, rapidement. Parce que donc, il y a des passages qui ne sont accessibles que à un Skylander du feu ou un Skylander de l'air ou des trucs comme ça. Donc c'est là où ils arrivent à bien vous rouler, à vous donner envie d'acheter des trucs. Oh mince, la chose est morte, donc tant pis, je vais prendre lui, et on va continuer avec lui. Donc quand il est mort, en fait, faut juste qu'il se repose un petit peu, il n'est pas vraiment mort. Je ne peux plus l'utiliser dans ce niveau, à moins de recommencer le chapitre depuis le début. C'est jamais bien long, hein, c'est pas bien grave. Sinon, à la prochaine aventure, il ira beaucoup mieux, et il sera totalement guéri. Oh là là, mais je suis vraiment un boulet, je me les mange avec avidité, on dirait, ces trucs. Voilà, c'est un peu le ménage. Oh, il y a un énorme canon. J'aurais dû le dégommer de là-bas, le canon, tout à l'heure. C'est un peu une petite erreur stratégique. Là, vous voyez que c'est un personnage de l'air, donc lui, il est favorisé dans cette zone. Ça veut dire qu'il fait plus de dégâts qu'un personnage d'un autre type. Il vous l'indique en rentrant dans le niveau, il va vous dire les personnages qui dépendent de l'air sont plus efficaces ici. Et on voit effectivement qu'ils ont des bonus qui fonctionnent mieux que la plupart des autres. Je cause. Et j'avance pas beaucoup. Je vais mettre un peu à l'abri pour éviter les tirs de canon, mais en même temps, il faut que je débloque le passage. Allez, vole. Voilà, je crois que c'est là qu'il y a du Gilles Grunt dans l'air. Ah, il est mort aussi, très bien. Bon, allez, je prends Gilles Grunt, ça tombe bien. J'adore Gilles Grunt. Enfin, Akbar Junior, pardon. Respecte les poissons. J'adore sa réplique. Ils ont chacun une petite réplique rigolote. C'est vraiment très cool. Alors, où est-ce que c'est? Ah, mais non, c'est pas là. Oh, mais je me suis trompé. Bon, c'est pas grave. Vous le saurez, il y a un endroit où on peut faire intervenir Gilles Grunt, entre autres, pour aller découvrir une zone qui est inaccessible au commun des mortels. Voilà les petits amis. Je vois une boutique. On va faire un dernier petit plaisir, si ça vous embête pas. Vous allez voir, je suis quand même grave. J'ai envie de m'acheter un petit chapeau. Et comme en fait, dans ces boutiques-là, il y a des trucs qu'on ne trouve pas ailleurs. Comme par exemple des bois d'élan ou un casque grec. C'est quand même pas mal. Allez, des bois d'élan, ça va être classe. Ça coûte 850, mince, j'ai pas les moyens. Ah bah j'ai pas les moyens, Gilles Grunt n'a pas l'argent, et c'est bien dommage. Oh,
Bon bah tant pis, pour moi j'aurais dû prendre un personnage plus riche. Bon voilà, j'espère vous avoir donné envie de jouer à Skylanders. C'est la fin de votre porte-monnaie les petits amis, je vous le dis tout de suite. Mais bon, c'est tellement rigolo, surtout si vous jouez avec des enfants, c'est vraiment très très sympa. Allez, gros bisous mes amis Skylanders, et vous aussi mes petits amis. A bientôt, ciao.